Bienvenue au restaurant Le Pré du Moulin à Sérignan-du-Comtat. Vous êtes dans la famille Alonso, Maximilien Alonso, Caroline Alonso, Pascal Alonso, tous en cuisine. Il manque que la petite qui nous rejoindra bientôt. Nous allons vous présenter un saumon confit, donc un saumon d'origine écossaise de la Belle Rouge, avec un taboulé de chou-fleur et accompagné d'un vin blanc de Kéran du domaine Brousset Les Travers. Kéran est un village de charme qui se dévoile autour d'un piton rocheux et retient les visiteurs séduits par ses vins rouges, rosés et blancs. Les atouts de l'appellation, un esprit village, entretenu par plusieurs générations de vignerons qui lui confèrent toute son âme, un climat chaud et sec pour ses vins aux arômes riches et harmonieux. Les vins blancs offrent des parfums d'agrumes, de fruits blancs et de fleurs, acacia, aubépine et violette. Donc nous avons un saumon d'origine écossaise de la Belle Rouge. Donc nous avons le levé, nous allons lever en filet, le désarrêter. Une fois qu'on a levé le saumon, qu'on l'a désarrêté, nous allons préparer la marinade. Donc cette marinade est à base de gros sel, citron et gingembre. Donc on récupère les zestes de citron qu'on va hacher finement, ainsi que le gingembre qu'on va éplucher et hacher finement aussi, qu'on va mélanger au gros sel, que nous pourrons mettre à mariner entièrement sur le filet du saumon pendant 8 heures en chambre froide. Et au bout de 8 heures, nous allons le mettre une demi-heure dans l'eau froide à dessaler. Après, il faudra le faire sécher quelques heures en chambre froide, à l'air libre. Après, pour la garniture, nous avons donc une garniture accompagnée de chou-fleur haché très très fin, de pignons de pin, aromatisés au citron, à l'huile de noix et au persil italien, persil plat. Donc ce joli saumon d'Écosse, nous sommes en train de lever les filets. Voilà, donc nous avons le premier filet disponible. On va peut-être m'approcher une pince à désarrêter. On enlève cette partie grasse qui déborde du filet. Et en fait, sur ce filet, quand vous longez votre doigt tout le long du filet, là, vous sentez les arêtes, là. Et en fait, avec une petite pince que vous trouverez dans un magasin professionnel ou dans une pharmacie, vous pouvez trouver ça en pharmacie. On enlève les arêtes une par une, tout le long du filet. C'est une petite habitude à prendre. Voilà. Et donc, vous avez enlevé toutes les arêtes en quelques instants. Donc maintenant, nous allons le réserver dans une plaque, une grande plaque, une plaque inox. Et nous allons le recouvrir de cette marinade que nous avons préparée, donc à base de gros sel, gingembre et citron pendant 8 heures au réfrigérateur. Puis, nous allons le mettre une demi-heure dans l'eau froide pour le dégorger un petit peu. Donc, nous voilà avec notre saumon confit qui a passé 8 heures dans le sel et une demi-heure dans l'eau froide. Et maintenant, nous allons le mettre à température. À température, car nous allons le servir tiède. Nous le mettons au chaud sous la salamandre. Et nous allons préparer notre garniture. Donc, à base de chou-fleur frais, cru, et haché.
pignon de pain grillé. Persil. Et huile de noix. Assaisonner, c'est les poivres. Nous avons fait notre mélange chou-fleur, pignon de pin, persil et huile de noix. Nous avons dressé sous forme d'une ligne verticale rectangle. Comme ceci. Nous récupérons notre saumon qui était mis à température, donc qui est presque tiède. Nous allons préparer notre crème au citron. Donc une crème fraîche nature, un filet de citron. C'est les poivres. Notre crème citronnée, disposée de chaque côté. Terminé d'un zeste de citron vert. Et voilà. Pour l'accompagner, nous avons choisi le Domaine Brucé, un Kéran blanc, les travers. Orange, Vaison la Romaine et Bolène, c'est au sein des vignobles de Côte-du-Rhône méridionaux à Kéran que se situe le domaine Brucé. Depuis 1947, trois générations de la famille Brucé se sont succédées sur le domaine. Ils ont su allier au savoir-faire et la curiosité les nouvelles techniques apportées à chaque génération. C'est un vin rond, souple, très fruité, sur des arômes abricots qui finit par des parfums de vanille qui accompagnera un saumon confit au tablier de chou-fleur.